Monsieur Legros, vous présentez Sénateur Frost en bas de tableau ce mercredi à Angers. Que s'est-il passé la dernière fois à Bordeaux? Il venait bien et il s'est arrêté. Tout compris. Déjà, le cheval n'a pas pu prendre la tête en début de parcours parce que ça a été très vite. Après, il a eu un bon parcours derrière les leaders et on peut venir correctement. Et puis, il a marqué le pas assez rapidement. J'ai pas tout compris. D'accord. Donc là, on remet ça à Angers avec un numéro de corde qui est intéressant. Avec un numéro de corde intéressant, le 7, c'est bien. Ça permet de tout faire. Donc à voir. C'est un cheval qui va quand même de l'avant, hein, sur ce qu'on a vu ces derniers temps. Oui, c'est un cheval qui va de l'avant. Après, bon, je pense que même sans être forcément devant, ça peut aller. Ce qu'il a besoin, c'est surtout de parcours rythmé. Donc, s'il n'y a pas les chevaux pour donner le rythme, c'est lui qui l'aura. Ah, vous connaissez bien la piste d'Angers, hein, pour entraîner non loin. C'est une piste où, justement, il y a un peu de rythme. Tout le temps à Angers, donc ça devrait lui convenir. C'est un engagement que vous aviez pas vidé, mais coché, en tout cas. Oui, voilà, c'est un engagement qui vient bien dans la suite du programme. Donc, on va prendre une unité de course là comme une autre et on va voir. Le cheval avait été pénalisé de 2 kilos quand il a gagné à Bordeaux l'autre jour. Ça a mené qu'il a 2 contre-performances à suivre, il a déjà perdu une livre. Il se retrouve avec 1,5 kg seulement de plus que ce qu'il avait quand il a gagné à Bordeaux. Donc pourquoi pas pour une place et si des fois ça se déroule très très bien, pourquoi pas mieux. Là, vous vous retrouvez tout en bas du tableau du quartier. Vous auriez préféré la deuxième épreuve ou c'est bien comme ça? Depuis que j'ai le cheval, il a toujours couru pour moi avec beaucoup de poids sur le dos. Et c'est peut-être pour ça qu'il a accusé un petit peu le coup la dernière fois. Donc le fait de se retrouver avec en étant un petit peu moins chargé comme ça, ça peut peut-être changer les choses. Donc j'aime autant être dans le quintet, même si l'eau est forcément plus relevée, mais ça reste des courses à handicap et donc c'est intéressant de le voir avec ce poids-là. De conditions, il a gardé un petit peu de fraîcheur le matin? Il est très bien, il a repris beaucoup de fraîcheur. C'est un cheval qui encaisse très bien ses courses, qu'on peut toujours être très rapproché. Et qu'il faut même courir, à mon avis, plutôt rapproché, parce que il viendrait facilement trop frais, même. Oui, c'est sûr. En effet, on le voit en course. Alors, vous n'avez pas encore trop de recul sur le terrain pour Sénateur Frost, mais... J'en sais rien. Je sais pas s'il va dans ce terrain-là. Je suis pas sûr que ça le gêne non plus. Oui, mais il n'y a pas assez de recul, comme vous disiez. C'était dans ma question, en fait. Ok. Donc, une place, ça vous sentrait. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais.